trop chaud, c'est super. Voilà, donc on va commencer avec le décollage immédiat, avec la rentrée de tous les gymnastes. Voilà, vous avez lancé.
dans des groupes de loisirs et qui font des compétitions. Les compétitions partent du département, région, zone et France. Et ensuite, nous allons avoir la section garçons qui s'entraînent tous les mardis soirs et qui font du parcours. Et voilà les garçons, les applaudissements forts. Vous allez voir la prestation qui vont vous faire tout à l'heure. C'est impressionnant. Car nous avons l'absence de notre président. C'est bien la première fois en 40 ans. Il n'est pas avec nous pour des raisons personnelles. Et notre trésorière, Cathy. Donc Isabelle va lire le mot du président. Bien. Chers parents et amis de notre club, c'est à mon grand regret que je ne peux assister à notre fête annuelle de fin d'année. Je serai malgré tout, de tout cœur avec vous, et je suis certain que vous passerez à nouveau une excellente soirée avec ce tour du monde qui va vous être proposé. J'en profite pour remercier Chantal et Julie, les maîtres d'œuvre de cette manifestation, ainsi que tous les coachs qui ont préparé ce spectacle, sans oublier tous les administratifs qui ont contribué à l'organisation et vous faire partager ce périple. Merci à vous, parents et amis, qui par votre présence encourage tous nos intervenants qui se sont mobilisés pour la réussite de cette fête. Enfin, un grand merci à tous nos gymnastes qui participent à ce spectacle. Je vous souhaite une très bonne soirée, de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée. Notre président, Maurice Dorn. Donc, je voudrais rajouter une personne aussi à féliciter, c'est Amandine, la fille de Cathy, qui n'est pas là non plus, et qui a largement participé à ce spectacle. Voilà, on peut l'applaudir, elle le verra sur le film. Thank you.
We are rockets pointed up at the sun.
version finale. Allez, c'est le départ pour les parapluies. Et ensuite, chaque cours va retourner derrière les panneaux pour préparer le mouvement suivant. Donc, c'est une escale en mauvaise. C'est le cours L3. C'est le cours L3 avec en poutre Soumeya, Naël, en bas Romane, Maëli. En poutre, il y a aussi Moun et Daina. Donc vous préparez. Mais attendez les filles, il faut que tous les cours soient partis. Hein. Vous vous préparez seulement, il n'y a pas de passage d'échauffement. Installez votre matériel. Voilà, retour pour tout le monde dans la salle d'échauffement. Merci à vous les parents. Voilà, donc le cours L3, vous allez voir quelques agrès qui vont être effectués à la barre et à la poutre. C'est parti les filles. Ces jeunes filles ont cours deux fois dans la semaine ou une fois. Elles choisissent si elles veulent faire deux cours ou pas. Donc sous ces cours-là, ce sont celles qui sont en sixième, puis après cinquième, quatrième, etc. Voilà, on peut applaudir, très jolie part. Et elles font une heure et demie d'entraînement pendant leur cours. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Maintenant, on va passer à une escale en Nouvelle-Zélande. Allez, la rentrée encore des sportives qui vont vous montrer comment on fait un bon ventre. C'est parti. Allez, attention, c'est parti. Allez, allez,
Staring at the bottom of the clouds, hoping one day you could try.
je vous transforme. La nouvelle lunette a effectuée par Romane. You when you close your eyes, maybe one day you'll smile back. Everything you touch, all you have. But you don't need a person. And it's not the sun, it's not the sun. Et voilà. Donc on peut les applaudir, ce sont elles qui ont fait leur propre chorégraphie. Voilà, on va au saut. Encore une demi-lune. Et on les encourage
Thank you.
C'est de toutes petites poussines. Ils sont entraînés par Stéphanie et Julie. On encourage ceux qui mettent le matériel. Il fait chaud au Brésil avec, vous allez voir, je ne vais pas vous dire ce qui vont arriver. C'est parti. Allez. Allez.
Mais voilà, c'est eux qui ont confectionné ce mouvement-là. Et ça n'a pas été facile parce qu'ils ne sont pas ensemble pour faire ça. Donc ils ont réussi à faire quelque chose de très bien. Bravo, Bruno et Emmanuel. En deux séances, ils m'ont dit. Bravo. Donc là, on passe avec le coup, les agrès L3, la poutre avec Jade Maya, la barre avec Shana et Charlène. Allez-y, c'est parti, mademoiselles. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire. Départementale et régionale avec succès. Et les deux qui étaient à la barre aussi. Eh bien, on va accueillir les îles Fidji. C'est parti.
et sont prises à partir de janvier jusqu'en juin. Donc elles sont qualifiées pour les championnats de France. Donc elles font énormément de choses. Elles sont coaches, elles sont, pour certaines, elles sont juges et elles travaillent énormément. Je demanderai à Valérie de se mettre debout. Mais pas debout, Valérie. Alors est-ce que vous la reconnaissez? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains sur les programmes? Vous avez une jolie fille. Et bien c'est elle. Voilà, on l'a un petit jeune fort. Voilà, vous pouvez repartir, mademoiselle, et on va passer avec les agrès des cours L3, L4. Non. Avec au sol Chana, Charlène, Jade, Inès, Lou et Sarah. En son, Maya et Romane. Et on va Sabina et Elena. On attend que le matériel soit installé pour tout le monde. Voilà, Romane au son, avec une lune, et Sabina et Elena à la barre. Je vous avais dit, hein, on est envahi par les Chinois là. Hein. Et on a un bon petit paquet. Thank you.
Pour aller régler leur tremplin.
Et donc là, ouvrez bien vos yeux. Ça va très vite. Ces quatre jeunes filles le font pendant les championnats. Voilà, on peut les applaudir bien fort, bien fort. Parce qu'on n'aime pas le droit à l'excuser. Je leur ai fait répéter toutes les séances, une fois, une seule entrée, sans rater. Et là, elles ont rempli leur contrat, sans échauffement. Oui, vous pouvez les applaudir. Ben, je vois qu'il y a les États-Unis qui vont être menés sur ressort. Allez, l'entrée des États-Unis, c'est parti. Oh,
séance, c'est très bien. Eh bien voilà, on arrive à la fin de notre première partie. Avec succès, parce qu'on avait dit qu'elle devait durer une heure. On a commencé à 19h10, je crois. C'est ça. Eh bien voilà, donc maintenant vous allez pouvoir aller vous rafraîchir aux deux buvettes qu'il y a de chaque côté des tribunes. On va devoir se retrouver après à peu près 20 minutes, une demi-heure d'entracte, le temps que tout le monde puisse se rafraîchir. Alors, avec Elodie, qui a son petit stand au niveau des buts de hand, vous avez des bijoux, des autocollants, des porte-clés, des juste-corps d'occasion. Des mugs. Des mugs avec Valérie en photo dessus, vous verrez. Élise, sors de là-bas, s'il te plaît. Voilà, donc là, ils vont vous montrer ce qu'ils font sur un parcours avec du matériel ludique, comme ils ont fait pendant toute l'année. Et on va même les faire monter sur les grands ateliers. Comme les grands. Sur les allées.
parce que vraiment c'est bien ce qu'ils font déjà à leur âge. On va même passer les babies sur les grands agris.
Donc on va passer à l'exercice suivant. Il faut mettre les caisses aussi. Donc ce mouvement s'appelle à la découverte de l'Amérique. Donc vous allez voir ce très joli mouvement. C'est le mouvement fétiche du club. Ça fait plusieurs années qu'on le présente. Donc je fais des placements différents à chaque fois. Et en fait, c'est une de mes copines qui était là au club et qui s'occupait de la chorégraphie des sportives. Donc vous avez vu, il y a de la pro, il y a de la chorégraphie, c'est très joli. Donc tout ça, c'est très important pour nous. Donc elle avait fait un mouvement qui s'appelle abdos, c'est une partie avec des abdos, et après une partie d'équilibre. Voilà, donc ces jeunes filles le présentent chaque année parce que c'est notre mouvement fétiche. Allez, la rentrée des filles. Avec la beau juste du cœur. Thank you.
Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et vous voyez, ça demande énormément de travail pour qu'on puisse être ensemble et ne pas perdre l'équilibre, effectivement. Allez-y. Donc on va passer avec les agrès encore, avec les poussines à la barre et Tia et Alice en poutre. Voilà, les petites de Stéphanie et Julie. Et ensuite, Tia et Alice. Voilà la musique en poutre. C'est leur invention à toutes les deux. Voilà, donc en fait, ce que vous avez vu en poutre, c'est ce qu'elles présentent quand elles sont championnes en France ou quand elles sont en compétition. Et encore, on a limité un petit peu. C'est surtout au sol qu'on limite parce qu'on n'a pas notre praticable. Alors ensuite, eh bien, on va faire une petite visite ensoleillée en Espagne. Donc là, c'est encore Anouche, le coach qui n'est pas là aujourd'hui, qui a préparé ça avec son cours. Regardez bien. You
escribir mi ahora. Si lo he perdido todo, se te abandonó. Te juro que te pienso, hago mi mejor intento. Perdí mi pasado y ya me doy un día. Si llega la noche, el mundo contesta. Thank you.
Serena et Lucie. Nous passons au saut avec Sabina qui va effectuer une lune. Voilà. Alors il faut savoir que Sabina est arrivée au club en septembre et elle a fait d'énormes progrès. Sacha, on va te laisser encore faire une lune free, mais arriver debout, ça serait bien. Des gens du parcours avec Wannis et Benoît dans les quartiers du Canada. Et on va voir ce qu'ils font dans les quartiers du Canada. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure, le praticable, c'est pas comme ça que c'est d'habitude, ni dans notre salle, ni dans les championnats. En fait, c'est un praticable où il y a des ressorts en dessous, ce qui leur permet de faire énormément d'acrobaties, etc. Mais vous verrez tout à l'heure comment on peut aussi le faire, avec un autre matériel. Il nous manque un Canadien. Il s'est perdu dans Montréal, on me dit. Every time you're in the town, you're always in the town.
Thank you.
Allez, c'est parti. C'est très nouveau pour elle, tout ce qu'elle joue maintenant, et elles sont en même progrès. Elles ont 10 ans et 11 ans. Voilà, bien. Super. Ça, c'est tout nouveau. On est en train de travailler, c'est très bien les filles. Bravo. Oui, il va nous arriver des cow-boys là, je le sens, les cow-boys du Far West. Allez, rentrez en piste, les cow-boys! Aider ta petite fille là-bas. Oh ben, il y a du monde hein, au Far West. Eh ben, c'est pas fini, hein. Il y en a, il y en a, il y en a. Allez, les cow-boys. Thank you.
et la coupe au son. Avec le coach, vous allez à la grille suivante. La poutre au
saut, le saut à la barre au sol, et le sol à la poutre.
car ils ont bien travaillé. Sarah en poutre, Alice peut-être en poutre. Sarah en poutre, Valérie et Siam en poutre, et Alice au saut. Alexa, il faut préparer le saut. Cette entrée est une entrée très difficile. Ouais.
fais, c'est d'arriver debout. Parce que ça coûte très cher. On va accueillir maintenant les États-Unis. Donc voilà nos petites poussines sportives. La nouvelle génération, oui. Skin upon, how long,
ce qui nous rend réjouis. Allez, on passe avec les agrès encore au sol, avec Alice, Denis, Sacha, Tia et Siam. Allez, ma Siam. Le temps d'installation des kangourous.
Allez. À l'arrivée avec les kangourous, c'est parti. Bon, allez, vous faites quoi là?
Donc 2, 4, 6, 7. Wemis, ton jeu combien? C'est bon? Merci. Bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Wemis, il a sauté par-dessus 6 filles. Mais ce n'est pas forcément la plus grande de la gym. Moi, j'en connais un, celui-là, c'est le plus grand qu'on connaisse de la salle. Je le sais parce que si, il y a moi, celui-là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore un petit peu plus impressionnant? Ok. Alors, vous allez encourager. On va faire un tempo qui va accélérer au fur et à mesure. Et ils vont se lancer et ouvrez bien grand les yeux. Et les filles aussi. Mais les garçons, on sait jamais ce qu'ils vont faire. De la tombola. Donc j'ai les petites filles qui vont venir vers moi. Attends. Alors, on tire un petit numéro. On demande Julie. Alors, qu'est-ce que tu as comme numéro? Zéro. Hein? 279. Zéro 279. Alors la personne qui a le numéro gagnant vient devant, enfin, sur le praticable, et il y a quelqu'un qui amène le panier garni. Oui, bah, je... Oui. Allez-y, c'est bon. Voilà, et ben on peut l'applaudir, ce monsieur. Il y a un sacré panier garni. Hein. Ouais. Ça c'est pas tout léger. Alors, deuxième numéro. 0086. Voilà. 0086. Il y a quelqu'un? Oui, c'est une dame. Parfait. Allez, deuxième le gagnant. Voilà.
Voilà, donc on vient de faire le tirage des deux briches. Et puis, bon, écoutez, à chaque fois, j'ai toujours des coups de cœur, parfois. Ça m'arrive. Et là, je voudrais faire un petit coup de cœur à quelqu'un. Voilà, nous avons quelqu'un à qui nous devons faire un honneur. Vraiment, pour son accueil, sa gentillesse, sa créativité, que vous avez pu voir là-bas. Son humour, son sourire, sa bienveillance, sa patience. Et tout ça avec bénévolat, car elle travaille. Elle vient sans compter son temps pour aider notre club. C'est... C'est qui? Ok, Elodie, tu es appelée ici. Et on va l'applaudir bien fort parce que je pense que tout le monde la connaît. Parce qu'elle se donne un cœur pour tout ce qu'elle fait au club. Et si vous avez été là-bas, à la petite boutique, c'est elle qui a fait tout ça. Tous les... Oui. Avant qu'on lui offre un petit cadeau. Merci, merci tout le monde. Voilà, on va faire un petit bisou à tout le monde. Très bien, voilà. Alors j'ai aussi encore un petit truc à faire, c'est avec une coach qui a travaillé dans l'ombre tout le temps là pendant le gala. On l'a pratiquement pas vue parce qu'elle était là-bas derrière les panneaux sans arrêt à préparer tout le monde. J'appelle Laina. Laina. Voilà, c'est une coach qui est là depuis qu'elle est toute petite et vraiment, elle nous aide beaucoup. Vraiment, elle est très gentille et elle fait un bon travail. Laina, elle est tellement cachée qu'on ne sait plus où elle est. Voilà, j'avais un petit coup de cœur aussi pour elle parce que vraiment, j'ai beaucoup compté sur elle. Alors, on va passer à la suite. Oui. Maintenant, c'est à Chantal et à Alexei d'aller au niveau du praticable. Oui, c'est une déchet. Oh. Chaque année, attend avec joie le gala de fin d'année.
tu veilles au bon déroulé, ou plutôt au déroulement, de ce que nous faisons toute l'année. Tu nous as tant apporté. En tout cas, même si tu ne seras plus toujours là, les coachs te font une promesse. Promis, nous n'utiliserons pas nos téléphones portables pendant les cours. Nous ne mâcherons pas de chewing-gum. Nous ne nous asseyons pas pendant que nous coachons. Promis, on aura toujours des paroles bienveillantes envers tous. Et promis, nous ne serons jamais dos à notre groupe lorsque nous sommes au bar. Voilà, merci pour tout, Chantal. Ne t'es montré pas. Alors si vous ne voyez pas, c'est une chouette, et en fait je fais la collection des chouettes depuis des années et des années, depuis 50 ans, parce que c'est ma première fille qui m'a offert un petit machin comme ça, et depuis j'en ai, je sais pas, donc tout le monde sait que je fais la collection des chouettes, voilà. Donc ben je vous... Oh, elle est belle, merci. Voilà, donc effectivement, Julie a dit... vraiment, ben, voilà, je prends un petit peu ma retraite par rapport à certaines choses au club maintenant. Ça fait 40 ans que je suis dans ce club. Et il y a des choses, ben, je laisse la main aux jeunes. Et justement, Julie, qui a été à côté de moi pour préparer la fête avec Amandine. Et après, bon, ben, tous les autres coachs, tout ça, je remercie tout le monde. Merci à vous d'avoir été si nombreux pour faire les derniers galas avec moi. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup. Et c'est encore Elodie qui a fait les banderoles. Voilà, Elodie, ça c'est encore l'heure d'Elodie, sa créativité. Voilà ce que je disais. Bravo Elodie, on peut l'applaudir, hein, parce qu'elle a fait du boulot là. Voilà. Voilà, on arrive au terme de ce gala. On va rassembler tous les gymnastes derrière les panneaux. Voilà, il vous reste encore quelques petits instants pour voir encore quelque chose de très joli. Ça sera la reprise en septembre, en sachant que le premier week-end de septembre, il y a une démonstration qui sera faite à Cara. Et aussi, on prépare une porte ouverte dans notre gymnase. Et en fait, si vous connaissez des gens qui veulent essayer la gym, eh bien, ça sera pareil à cette date-là. Toute la journée, on fait portes ouvertes pour faire un essai. Les inscriptions aussi se font toujours par Internet, comme vous avez fait et maintenant, et le règlement peut se faire aussi sur Internet.
petit-fils, le forum et les portes ouvertes, c'est le week-end du 9-10 septembre. Voilà. Nice and race, nice and feel. Everybody has a hand in order to feel.
Asseyez-vous, voilà, pour que le public puisse voir le dernier mouvement. Personne sur les tapis là-bas, mettez-vous sur le côté, celles qui sont à du trampoline. Vous ne devez pas être sur la bande rouge du praticable. Laina, fais-les enlever de la bande rouge, sont praticables. Allez, c'est parti pour le dernier numéro, le ballet de fermeture. Avec le French Cancan. Yeah.
à Julie et à Amandine pour avoir fait ce joli ballet. Voilà, j'avais demandé à Julie, je voulais les parapluies et le French Cancan. Ça a été réalisé et aussi avec les cours L3 et L4 là-bas, je voulais un mouvement avec des éventails. Merci à vous toutes et merci à vous tous. Vraiment, c'était un beau gala. Merci les gars aussi. Voilà. Allez, tout le monde va s'installer maintenant. Tout le monde se met debout. I'm not.